Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Lira, comment allez-vous? Moi je vais super bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la suite de notre let's play consacré à Dragon Ball Adobansu Adventure, qui veut dire Dragon Ball Advanced Adventure en Japanese. Et on se retrouve pour l'épisode 5, pays de Karine, de ce let's play spécial Noël les enfants. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi et que découvrir ce jeu comme je le fais vous passionne autant. Je suis un grand fan hein, de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, de... Voilà, je m'arrête là. Je suis un grand fan et j'adore les jeux Dragon Ball, donc même les plus dégueulasses, j'y joue. Mais là, en tout cas, celui-là, je l'avais jamais fait à l'époque et je suis agréablement surpris. Et je suis très content de le découvrir dans ces conditions-là, avec du 60 images par seconde, avec un écran qui me permet de bien voir ce qui se passe dessus, sur le jeu. Voilà, je suis très très content et je crois qu'il y a un 2 et un 3, je sais plus. Il y a une version Wii aussi, faudrait tester. Donc pas mal de choses à faire encore sur les jeux Dragon Ball. Goku arrive au pays de Karine à la recherche d'une nouvelle Dragon Ball. Il obtient la Dragon Ball à 4 étoiles en un rien de temps grâce à Oupa. Soudain, Toy Pai Pai, un mercenaire engagé par l'armée du Ruban Rouge apparaît. Et qu'est-ce qui se passe? Bora, le père d'Oupa, s'est fait tuer. Udo-san, toi tu vas payer. Oh, idiot, tu signes ton arrêt de mort. Toy Pai Pai, il a entraîné le ninja violet, c'est un fou. Ah, c'est un combat... Oula. Comment ça se fait que Toy Pai Pai, il a toute sa vie en vert, là? Alors que moi, Goku-san. Oh, il est chaud, il me fait des contre-attaques, le mec. Attends, deux secondes, là. Calmons-nous. Oh, il m'a cassé la gueule. Attends. Toy Pai Pai, il est un peu trop chaud là. Toy Pai Pai. Dodum Pai. Il m'a envoyé un Dodum Pai dans la bouche. Oh, il a parlé. Il a parlé en japanese. Ah, je devais perdre. Bah oui, on gagne pas contre Toy Pai Pai. Ah, j'ai appuyé sur start et j'ai passé le dialogue, c'est pas grave. Et Goku entame l'ascension de la tour de Karine pour battre le général Toy Pai Pai. Il grimpe et n'aperçoit toujours pas le sommet. Mais il continue et enfin il atteint le sommet de la tour. Alors c'est le sommet, hein? Bonjour l'ermite, donne-moi à boire. Tu m'as impressionné en arrivant ici, je suis Karine l'ermite. Comment, tu es l'ermite? Écoute, il paraît qu'il y a une eau mystérieuse ici, c'est vrai? L'eau sacrée, bien sûr j'en ai. Mais si tu veux en boire, il faudra que tu m'attrapes 10 fois. Si tu réussis, tu pourras boire toute l'eau que tu voudras. D'accord, je vais t'attraper. Ah, ah les mini-jeux! Ça c'est des vrais mini-jeux ça, je te dis. Ah, il a utilisé son... Son image rémanente. Oh mais c'est trop stylé, le jeu il est trop stylé les gars. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde sur les jeux de 2020. Ah, je vous dis la vérité, moi je m'emmerde sur des jeux de 2020 quoi. Je trouve qu'il n'y a aucune... Oula. Il y a le chrono qui se... Je vous avoue là que je joue à FF7 Remake. Ah, je me fais chier. Hein. C'est une souffrance, les gars, je vous dis pas. Je vais peut-être faire une vidéo. Je vais parler du jeu parce que je comprends. Je sais pas, on m'a dit que c'était un jeu de ouf et tout, et j'y joue. Je suis en train de me demander d'où le jeu il est ouf. Il a au moins 15 ans de retard. C'est un truc de ouf. Oui, ouais, je t'ai attrapé 10 fois. Tu es très fort, tiens, bois. Glouc, glouc, glouc. Ah, je ne me sens pas plus fort. C'est normal, l'eau sacrée n'est que de l'eau ordinaire. Hein? C'est horrible, tu m'as joué un tour. Eh, pas du tout. En m'attrapant, ta force s'est décuplée.
Vraiment ? Merci, Karine. Eh bien, au revoir. Eh bien, voilà quelqu'un de pressé. Pendant ce temps, au pays de Karine. Dis-moi où se trouve la Dragon Ball restante. Tu as tué mon père, je ne te le dirai, je te dirai rien. Petit entêté, je vais te tuer. Ouah ! Attends un peu, ta nanana. Nani ? Tu as encore envie ? Je ne te pardonnerai pas, je te donnerai pas cette Dragon Ball et tu ne me battras plus. Tu vas le regretter. Très bien, je vais te battre en 3 secondes. Bon, c'était normal qu'on perde contre Toy Pai Pai au début, là. Voilà. Là, maintenant, on a un combat équilibré. Oui, combat équilibré. Oh, le mec m'envoie un Dodonpa comme ça, sans pression. Je connais les techniques. À la relever. Les techniques de la relever. Pourquoi je peux pas utiliser tout, toute ma puissance? Ah, il faut que je combatte. Oh, cette garde parfaite qu'il m'a fait là. De même pas. Je crois que tout était déjà là. Hein. Ouf, oh là là. Tout était déjà là avant Fighters, les gars. Oh, la musique, elle est ouf, les gars. Écoutez-moi ça. Oh là là là. Ouais. Ouais, c'est bien protégé là, mais... Oh, bien joué, la relevée téléport. En fait, ouais, tu restes au sol. Fais son Dodonpa. Quoi? Il fait pas de Dodonpa là. Ah non, c'est moi, il m'a cassé ma garde. Oh, c'est énorme en vrai, c'est énorme. C'est terrible. Même si les coups sont tout le temps les mêmes. Mais je trouve ça énorme parce que... Tu vois, quand tu pètes la garde du mec, ça fait... Ah, j'ai pas regardé qu'est-ce que j'avais comme technique avec L1. Yatta, Yattazo! Bravo, Goku. Ah, j'adore. J'ai réussi, j'ai battu Toy Pai Pai. Banzai! Bon, je vais rassembler les Dragon Balls et ressusciter ton père ou pas. Génial! Le détecteur indique que les Dragon Balls sont toutes regroupées. Je comprends, ça doit être le repère de l'armée du ruban rouge. Parfait, j'en profiterai pour me débarrasser d'eux définitivement. Au revoir, nuage supersonique. Fais attention. Objet obtenu, grenade. Tu peux choisir Toy Pai Pai en combat en 1 contre 1. Il est stylé, Toy Pai Pai. Le ninja violet. Oh, on n'a pas débloqué le ninja violet. Il est terrible, le ninja violet. Base du ruban rouge. Oh. Super, voilà. Une phase de vol. Ah, excellent. La phase de jeu de vol contre Oolong en mode normal, je lui ai donné 4 coups, le mec il a explosé. Il a explosé direct. C'était une musique de mec qui part en voyage pour s'amuser alors que t'es en train de détruire des vaisseaux de l'armée du ruban rouge. Ah, mais je peux sauter. Oh! Kinto! Ah, mais je peux sauter pour frapper. Ok! Mais moi, je pensais que j'étais bloqué sur...
Ils avaient pensé à tout à l'époque, je crois. Ils avaient déjà tout. Ils avaient déjà tout. Il y avait de l'ambition à l'époque, tu te dis. Il y avait de l'ambition. À l'époque, il y avait de l'ambition, dans les jeux Dragon Ball. Il y avait de l'ambition. Vous voulez nous proposer quelque chose de différent. Graphiquement, c'est hyper léché. J'adore. Là, ça a ralenti un petit peu, là. Quinto ? Quinto ! On peut récupérer. Oh non, mais c'est stylé. Si j'avais su qu'on pouvait sauter directement, en fait, Oolong, je lui aurais cassé la bouche directement. Touloulou. Par contre, c'est tout le temps la même musique, là. Tu commences à devenir dingue, mon gars. Ok, les mecs, on ne part pas dans un... On ne part pas faire un pique-nique. Pourquoi tu mets de la musique de gens qui font des pique-niques? Je ne comprends pas. Ok, on va avancer. C'est trop stylé, vous avez vu? L'animation sur les nuages supersoniques, les cheveux de Goku. La position qu'il a et tout. Ah, ça devait être l'armée du Ruban Rouge. Ils étaient trop loin, les mecs. Ils étaient déjà trop loin. Ah, c'est trop stylé. On a joué à quoi? Dragon Ball, le film là? Comment ça s'appelle? Dragon Ball Evolution? Dégueulasse, mon gars! Le jeu, il avait aucune âme. Il n'y avait même pas de cinématique et tout, c'était des images fixes. Alors là, que on est sur un jeu sur GBA, mon gars, il y a tout. Qu'est-ce que je fais ici? Je devrais avancer plutôt. Il y a un truc sur le toit? Calme-toi. Oh, laisse tomber, je vais pas se taper. Oh. Ok, donc on va pas chercher les emmerdes avec lui là, parce que... Oh, c'est un piège. Explose, ok. Ah là là là, je fais n'importe quoi. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Je vais le regretter bientôt. Je vais le regretter bientôt. Enfin, quand c'est pas des ptérodactyles là, des ptérodactyles. C'est des vaisseaux de l'armée du Ruban Rouge. Pourquoi t'essaies de fuir, mon ami? Ah, un burger, ça fait plaisir. Je peux entrer dedans? Non, je peux pas entrer dedans. Il a fui. Ouais, dès qu'ils lancent leur grenade à main, les mecs ils fuient parce qu'ils ont peur de l'explosion. Oh! J'ai droit à une vie. Louloulouloulou. Ok. Ouh. Oh, le bâton il est encore plus long. Excellent. Allez, prenez ça. Là, je vous dis, j'ai peur qu'on ait raté des trucs. Hein. Bon, on fait avec ce qu'on a, mais... je pense qu'on peut revenir dans les niveaux après. Est-ce qu'il y a des trucs là? Je sais pas. Je pense pas.
Ah, excellent, en fait, là, il tape une protège dans le dos. Si quelqu'un veut me taper, en fait, si je reçois des projectiles, peut-être dans le dos, ça me protège. Ça peut être cool, ça. On a aussi quoi? Le logo, l'armée du ruban rouge. Quoi d'être ici? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ici ou je reviens en arrière pour rien? Je suis revenu en arrière pour rien. Il faut visiter un peu les enfants. Oh, on s'en fout. Attends, on te laisse tranquille. Pum, pum, pum. Ah ouais, ça me donne l'énergie que pour... d'accord, pour le bordel ici. En fait, c'est que pour mon ki, le logo, là. En fait, c'est pas pour mes attaques physiques. Hop, hop. Je suis pas obligé de tous les taper, mais... Pas de secret. En ce coup, je l'adore, c'est un truc. Oula. C'est le visage, lui. Ah bah bien joué. Le Terminator. Ah, c'est devenu un ennemi classique récurrent. Ok. Oh, une vie. Excellent, bien joué. Oh, bien joué. Bien joué. Oh, il vise un peu trop bien, le mec là-haut. Tu vises un peu trop bien. Qu'est-ce que tu m'offres? Rien. Okay. C'est pas grave, tu m'as déjà offert une vie, c'est cool. Y'a rien ici, ok. Ah, les mecs sont déjà réapparus, c'est hallucinant ça. Pire que Megaman. Oh, te guider. Je vais me faire la pause, je vais rien capter. Rien là, ok, tout. Alors les bleus font quoi, je sais pas. Ouh, c'est pas gentil ça les gars. Ça va quand même elle touche tous les deux. Oh, c'était beau ça. Ok, on va pas perdre notre temps comme ça. Je l'ai tué juste en bas, le mec. Il est déjà réapparu, quoi. Alors, je savais pas du tout qu'il allait me tirer dessus. Ah, excellent. On augmente nos points de vie. Ouais, je vois le jump, excellent. T'es pas au courant de ça, bah je passe. Je reste bloqué là et tu sais pas comment passer. C'est terrible. Bah finalement j'ai dit ouais, il fallait que nous apprenne directement à
faire les combos là qu'on a vu avec Tortue Géant en fait, mais ça fonctionne que pour les 1 vs 1 en fait, sinon le jeu depuis tout à l'heure en fait on se bat toujours de la même façon depuis le début, donc en fait ça m'aurait pas avantagé plus que ça. Ça m'aurait pas avantagé plus que ça de que en fait ça fonctionne. Les combos ne fonctionnent que... Oh non mais t'es sérieux? Are you serious? Est-ce que je peux sauter? Ah ouais, je peux pas. Je suis dans l'arène contre lui. C'est bien parce que les niveaux ils sont de plus en plus longs, tiens. C'est genre au début c'était facile à passer, très rapide à passer. Maintenant c'est assez labyrinthique, beaucoup de lieux à visiter. Finissant, merci. Pipi. Go! Là je parle pas beaucoup, là on est en train de se taper les gars. Est-ce que je peux descendre là? Non, c'est pas fait pour descendre. J'ai fait une action complètement étrange. Donne rien. Ah, je peux pas ouvrir ces portes, ça me stresse aussi, ça, cette histoire. Ah, je fais... Non ! J'ai fait n'importe quoi, les mecs. J'ai fait n'importe quoi. C'était terrible, ce que j'ai fait. C'est terrible. C'est nimp. J'avais juste, en fait, à mettre mon bouclier. Pas mon bouclier, mais à faire tourner le bâton magique. C'était fini, on n'en parlait plus, quoi. On n'en parlait plus des belettes. Ah, j'ai gagné une vie. Ah, je fais n'importe quoi. Oh là là. Je vais avoir comme un bleu. Tu descends? Ah, bien joué. Là, l'accueil ici, quoi. Comment il m'a accueilli, le mec, il m'a... C'est pas possible, ils sont terribles, le Terminator, là. Bon, la savant lui fait pas mal de dégâts. Là, ça l'a touché, celui du haut, en ricochet. Bon, vous avez vu, je meurs quand même en normal, mais après je meurs de manière bête en fait. C'est pas genre. Ok. C'est de ma faute lorsque je meurs. Comme là, je perds trop de points de vie pour rien en fait.
La pomme. Salut. Ah, Général Rouge. Comment est-ce possible que ce n'est qu'un gamin? Général Noir. Ou je sais plus qui. Pour le moment, nous devrions partir et nous reconstruire ailleurs. Mince, juste au moment où j'allais réussir à m'agrandir. Comment c'était juste ça ton vœu? Tais-toi. Oserais-tu défier ton chef? Tu ne mérites pas d'être chef. Je vais reconstituer l'armée du Ruban Rouge. La Dragon Ball est là-dedans, n'est-ce pas? Alors te voilà, mais tu ne pourras rien contre ma veste de combat. C'est ça, allez, viens, je t'attends. Sa veste de combat. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Sa veste de combat. Est-ce que je peux le... Ouais, je peux endommager avec du Kamehameha. Attends, je vois un truc. Oula. En chair. Ouh. La patate qui m'a mis en pleine gueule, mon gars. C'était terrible. Allez. Ramène-toi avec ta veste de combat. Je suis sûr que je devais avoir toute ma vie bleue contre lui, en fait. Mais vu qu'on a raté des vies... Oh, la patate, mon gars. Ok. Quand tu vas au CAC, il t'attend vénère. Là, bizarrement, il envoie pas ses missiles. Je crois qu'il m'a testé tout à l'heure avec ses missiles. Il a vu que je n'avais pas réagi. Et on va lui donner un handicap. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ces phases de jeu? C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis surpris. Le jeu est vraiment bon. C'est pas genre il est bon, tu vois. Il est vraiment bon. Ouh là, j'ai rien capté. Ok, d'accord, il faut envoyer des missiles nucléaires, on va se concentrer. Mais le jeu est vraiment, vraiment très bon. On a perdu pas mal de points de vie là quand même. De vie plutôt. Voilà, il est pas content, il m'envoie ses missiles. Ah déjà? Déjà? Déjà tout à l'heure il a fait ça quand il lui restait quasiment point. Ah ouais, mais non, mais si ça explose après, quand je saute... Mais non, ça m'a touché, ça. Ouais, ça va être compliqué. C'est compliqué. Il va falloir que je fasse quelque chose contre ces roquettes, en fait. Ouais, il faut que... Oulala. Ouais, il est pas si dur que ça à battre. En vrai, avec le Kamehameha chargé, ça va. Mais c'est... En fait, il faut que je l'attaque avant qu'il balance ses roquettes, en fait. Il faut que j'ai le timing. Tu vois, là, j'ai pas eu le timing. Ah, oh, bon, en fait, il faut juste que je cours vers lui. Ouais, en fait, ouais, d'accord. Pas si ouf que ça. Il m'a touché parce que... Ok, là, hop, on se concentre. Ah, mais je suis obligé de me prendre ça?
que je dois l'exploser avant, tiens. Attends. Qu'est-ce qu'il va faire là? Elle va me bouger. On était bien. Maintenant, j'ai fait n'importe quoi. On était bien. Quand je dis qu'on était bien, c'est qu'on était vraiment bien. On est en train de lui faire pas mal de dommages. On était bien, on était bien, on était bien. On était bien, j'ai peur. J'ai peur parce que les vies commencent à tomber là. Alors qu'on est normal. Ah, je te dis pas en difficile, qu'est-ce que ça aurait été. On voit ton missile là. Ah ok, d'accord. Ouais, il faut juste l'exploser en fait. Ok. Oh la patate, mon gars. Quoi? Ah, j'ai pas assez chargé. Et quand t'as le bon timing, la musique est ouf aussi. Quand t'as le bon timing, tout se passe bien. Voilà, t'as le bon timing. C'est quoi? C'est le missile? Non, c'est pas le missile, c'est... On est pas mal, on est pas mal. Une fois que t'as bien compris, voilà, t'as bien compris comment ça fonctionnait. En fait, il faut être proche de lui pour l'empêcher de balancer ses missiles en fait. Et tu les exploses direct. C'est quoi? Ok, c'est ça. Oh, le boutage aussi des techniques. Shoot! Shoot! Ok, il faut vraiment bien se concentrer. Ça risque de faire très très mal si je me foire. Ok, j'ai pas réagi. Hein. C'est quoi? Le missile? Ok. Ouf! La chance... Non. Non! J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, les gars! C'est incroyable, alors que je devais juste pas charger mon Kamehameha et puis juste passer en dessous de lui en fait. Mais là on a compris pas mal de choses. Comme par hasard, tu m'as touché comme ça. Ah putain, il m'a touché. Il m'a touché aussi. Pas ce que je voulais. Ah dommage. En vrai, il est pas compliqué quand t'as compris comment il fonctionnait. Ça m'a quand même touché ces missiles. Là, tu vois, là, on a le bon timing, on charge au même moment. Il veut balancer ses missiles. On voit ton gros missile. L'idiot, l'idiot bête. L'idiot bête. C'était simple, il fallait juste reculer, sauter et envoyer les Kamehameha pour empêcher que le missile touche le sol. Moi je saute au même endroit où le missile il arrive, bien sûr que ça ne fonctionne pas. Merci pour la patate. Ok, d'accord. Du coup il a décidé d'attaquer je ne sais où. Voilà, là on est un peu trop cac là. C'est quoi le missile? Enfin, le missile c'est quoi? C'est ça? C'est juste ça? Tu te décales? Et t'envoies ton Kamehameha en l'air? Il a changé sa façon de se battre, tiens. C'est quoi? Ok. Ah, j'ai fait le con. Ah, j'ai fait le con.
ça m'a quand même touché quoi. Ouh, je suis un peu trop proche là. Le truc c'est que quand je balance le Kamamea, je peux pas bouger pendant un certain moment. Oh, ils sont tous passés là. C'est quoi? Le missile, tac. Voilà. Rien de compliqué. Là, c'est bon. On est pas mal. C'est quoi? On est pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout. Mince, c'est quoi? C'est n'importe quoi! C'est quand tu arrives à la fin, quand tu arrives à la fin comme ça, tu sais qu'il va mourir, c'est là que tu craques, tu fais n'importe quoi. Alors qu'il faut rester focus jusqu'à la fin. Là, j'ai encore fait n'importe quoi. C'est incroyable. Là, je l'ai... Ah, je l'empêche de faire ce qu'il veut, là. Ah, là, c'est compliqué. Ah, si, j'ai quand même mis... Il fait des petits sauts, je sais pas. Ah, il m'a touché quand même avec un des missiles qui a 45 points de vie. Là, je peux garder mon Kamamea à charger pendant... Ouais. Dommage que ça lui fasse pas plus de dégâts en fait quand je lui fais exploser les missiles. Ouah, c'est compliqué à en prendre. Une fois que tu te concentres en fait... Comme dans tout les gars, c'est comme dans tout, une fois que t'es concentré, que t'essaies pas de faire le malin, comme là, tu passes crème. Tout passe crème en fait, il faut respecter le jeu. Et Goku enfin triomphé tout seul de l'armée du Grand Rouge. À présent, il ne reste qu'une seule Dragon Ball, mais... Ouais, j'en ai assez, le détecteur est encore cassé. Je ne sais pas où se trouve la dernière Dragon Ball. Salut Goku. Bulma et Tortue Géniale. Nous sommes venus t'aider, mais tu t'es déjà occupé de tout. Bulma, tu pourrais me réparer le détecteur? Voyons un peu, c'est bizarre. Tout fonctionne normalement. Ça peut vouloir dire que la Dragon Ball a été engloutie par quelque chose. C'est un problème, qu'est-ce que je dois faire? Si tu vas voir mamie voyante, je suis certain qu'elle te dira où elle se trouve. Ah bon, super, je pars tout de suite. On sauvegarde, sauvegarde en cours. Sauvegarder, et voilà, on va aller voir mamie voyante dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Oula, le boss il m'a montré pas mal de faces assez intéressantes. Bon, c'est de ma faute si j'ai perdu beaucoup de vie là-dessus, mais c'est pas un problème, ça fait plaisir. C'est cadeau, c'est Noël. Bon, je vous laisse ici les amis, et je vous dis à très bientôt.